Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Apparemment c'est la full merde. Non, parce que Dailymotion a des lives de GTA V et de la finale de League of Legends qui fait 10K viewers sur OGaming, Eclipsia TV et Millennium. Donc apparemment c'est la merde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud? C'est l'heure du Zeratosaurus. Et nous allons jouer à un jeu de notre enfance, de mon enfance peut-être, de la vôtre, jeu sorti en 1999, tout à fait. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont trouvé ce jeu, mesdames et messieurs. Alors, il n'y a pas de cinématique. Il n'y a pas de cinématique dans ce jeu. Ce n'est pas Age of Empires, ça drop dur. Apparemment, ça drop. Moi, j'ai pas de drop, mais apparemment, c'est la merde chez Dailymotion. Donc, mon avis, c'est qu'on va faire comme s'il ne se passait rien. De toute façon, on aura la VOD propre, donc ça fait plaisir. Un jeu, mesdames et messieurs, qui, eh bien... a été développé par Iguana Entertainment, un studio londonien appartenant à Probe Software, le studio Iguana Entertainment, n'étant plus eh bien, d'actualité. Jeu sorti en 1999, l'un des seuls jeux au monde à avoir son propre style, puisqu'il s'agit de la simulation de course de bagnole, mais pas n'importe lesquelles, puisque il s'agit, bien évidemment... Mesdames et messieurs, le jeu de voiture télécommandée Revolt. Tout à fait. Ah, alors ça fout le bug, hein. Oh putain, le son, sa mère. Ah. Oh my godness. Oh, oh, oh. Ok, baissons le son. Voilà, nous allons jouer à Revolt ce soir. Alors attendez, attendez. Oh putain, je baisse le son. Alors c'est la merde ce jeu, c'est la full merde à installer. Je vous garantis que c'est vraiment la merde. Alors regardez, alors quand on fait des alt tab, ça défonce le son du jeu, écoutez. Voilà, ça défonce totalement le son du jeu. Et là il se relance, bon c'est très compliqué hein. Très très particulier ce jeu. C'était un jeu vraiment extrêmement génial. J'y ai énormément joué pendant mon enfance. J'ai un petit peu essayé de voir comment ça se passait pour faire marcher le jeu. J'ai trouvé des moyens de le faire fonctionner. Mais vous allez voir, c'est vraiment de la balle. Alors, bon la musique bug de temps en temps, mais il n'y a pas de souci. Vous allez voir, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Alors on ne peut pas faire de course unique, nous allons faire les championnats bien sûr. On va jouer en console et non pas en arcade, parce que je sais pas si je suis très à l'aise dans le jeu. Donc... Bon ça bug, mais vous en faites pas, ça va se régler quand on lancera le jeu. Alors nous allons prendre une voiture très vite, histoire de pas avoir ce son ignoble. On va prendre une voiture en moyenne, hein. On va prendre celle-là, la RC Brandt. Et nous allons faire le championnat bronze. Et c'est parti, voilà. Ah, wouh, c'est parti pour la course. Alors c'est un jeu de voiture télécommandée dans lequel eh bien on vous montre dans quelle direction aller presque à chaque fois. On mettra en plein écran, ne vous en faites pas, on fera ça après. C'est juste que pour l'instant ça marche, donc il vaut mieux eh bien s'en contenter. Bref, en tout cas, eh bien, regardez les multiples bonus. C'est un petit peu un Mario Kart. Merde. C'est un petit peu le Mario Kart de la voiture télécommandée. Et voilà, j'ai refait un petit peu mes contrôles avant d'y aller, hein, c'est normal. Alors les contrôles sont pas si faciles à prendre en main. Les voitures tournent très très vite et de manière très très virulente. Je suis premier actuellement. Et évidemment ça fait penser à Toy Story hein. C'est la voiture de Toy Story. Alors je sais pas si vous entendez bien le son du jeu, si vous entendez bien le son de ma voix. Personnellement pour moi le son du jeu est complètement trop fort. Mais il n'y a pas de souci. On va garder le bonus qu'on a pour l'instant. On ira baisser le volume de la musique plus tard. Merde. Voilà, voilà. Et bien sûr, c'est vraiment, vraiment énorme. Putain de merde, la musique est bien trop forte. Mais la musique est vraiment pas mal dans ce jeu. Hop, voilà. Ça n'a rien changé. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça n'a rien changé du tout. Très bien. Ah, je vois plus rien. Attendez. Bon voilà, donc la musique ne peut pas se baisser malheureusement. Alors je me sers de mes bonus. Donc là j'ai un électricité hein, qui défonce les gens. Les gens qui passent à côté de moi meurent. Et voilà.
Ah, ça c'est de la musique, là fallait être un énervé du slip. Hein. Ce sont les musiques originales du jeu, il faut le savoir. Et voilà. Ah! Le ballon de basket. Oh, fuck you. Il m'a électrifié, il m'a mis une bombe EMP, du coup je n'avance plus. Car nous jouons sur des voitures électriques, mesdames et messieurs. Et voilà. Alors attendez, putain, c'est pas vrai. Peut-être que si je baisse l'autre volume, peut-être qu'ils ont confondu. Pas du tout, ils ont rien confondu du tout. C'est juste que la musique est bien trop forte. Bon voilà, moi ça me fait bien plaisir de jouer à ce jeu. Alors attendez, hop, voilà. Bon, j'ai une idée. J'ai une idée, on va baisser le son du jeu dans Windows et on va tout augmenter après. D'accord. Très bien. Oui, je sais, il y a encore des gens qui ont le stream de Mister MV. Il y a des problèmes de rollback apparemment sur Dailymotion. Et voilà. Voilà, voilà. Ah, nous avons un bug de la musique. Mais rassurez-vous, je sais comment régler tous les bugs, je les ai tous testés. Là, il faut la désactiver. Voilà. Là, on la relance. Ah merde, il y a un bug de son aussi. Putain. Donc là, normalement, la musique va revenir. Mais il y a aussi un bug dans les sons du jeu, vous entendez? Donc là, on va changer les canaux du jeu, voilà. Là, on va y aller à fond. Et là, on va en retirer un. Et ça devrait régler les bugs de canaux, voilà. Nickel. Les cheveux, oui, c'est la merde totale. Et donc, c'est parti. Il faut qu'on essaie quand même de finir premier. On est troisième. On est dans la première course. Nous allons enchaîner. Alors, comme vous pouvez le voir, ça va un petit peu mieux. Alors, la musique fait penser un petit peu à Prodigy, à ce genre de truc. C'est très, très violent. C'est Mission Impossible. Ouais, ouais, ouais. En effet. Et honnêtement, j'ai énormément joué à ce jeu. Ça me fait trop plaisir, l'idée de revoir un petit peu le jeu. Et vous allez voir qu'il y a des stages vraiment sympas. Go sur la voiture. Pas du tout. Merde. Bon, j'ai voulu faire le malin. Je me suis fait doubler par Dr. Grudge. Alors ça se voit pas comme ça, mais c'est extrêmement sensible. Et c'est très difficile de gérer sa course. Alors pour finir le championnat bronze, eh bien il faut finir 3ème minimum du championnat. Et ça nous débloquera la suite. Je sais pas ce que fait l'éclair. Ah bah c'est fini, je suis 2ème. Je suis 2ème, ça déchire. Si ça se voit, ok. Très bien si ça se voit. Ah. Voilà, press any key to continue. Continuer le championnat, c'est reparti, on y va. Donc on y va. Et maintenant, nous sommes dans un magasin de jouets, ça déchire. C'est vrai que tous les niveaux sont nice. Bon, moi, je vais tout droit. L'ordinateur va à droite. Moi, je vais tout droit. Parce qu'il y a des bonus. Alors là, attention, on a le truc qui glisse à mort. Ah, mais j'ai la pile. Ah, je croyais que la pile donnait de l'endurance, mais pas du tout. Je sais plus ce que fait la pile. Ah, je suis EMP. Enfin, IEM. Je suis électrique maintenant. Alors, c'est très, très sensible. Ça, c'est une course qui est très courte, mais très rigolote. Alors là, il y a des bonus, bien sûr. Faut s'imaginer qu'on est bien sûr dans un monde de voitures électriques. Oh putain. Vous voyez là, par exemple, j'ai fait un tournant à droite. Hyper violent. Là, attention, c'est la zone qui. Oh le drift! Oh là là, comme j'ai trop géré là. Oh putain. Vous voyez, typiquement là, j'ai fait 2 ou 3 slaloms, mais les ordi font pareil. Donc finalement. Finalement je retrouve premier, là on va faire un tremblement pour se la péter. Mais on rate le bonus et on va moins vite. Et en plus on sort à la réception de manière complètement nulle. Donc c'était pas du tout worth it, mais ça déchire. Est-ce que tu mettras l'émission d'hier de WoW sur YouTube? Tout à fait. Hier nous avons fait une nocturne, nous avons joué jusqu'à 5h du matin. Même 5h30 du mat. C'était très plaisant, nous avons testé la 5.4. Et nous avons fait un petit peu de Hearthstone. Sachez que j'ai défié Fury tout à l'heure sur Hearthstone et que je l'ai massacré. Vous pourrez vous moquer d'elle sans aucun problème. Alors c'est parti. Il y en a qui disent ah ça me fait plaisir de voir que vous aussi vous avez joué à ce jeu. Il y en a qui m'avaient dit ouais c'est Counter Strike et tout machin, sorti en 99 et tout. Pas du tout. Voilà, 2 voitures d'un coup avec le missile, ça fait plaisir. J'ai donc un tour d'avance sur ces abrutis. Meurs. Tiens. Oh merde, je me suis touché moi-même. Wow, je me suis bien rattrapé, ça va. Ça aurait pu être pire. Il faut rester tout droit avant de toucher le sol. Ouais, ouais, j'ai bien compris ça. Eh, je suis premier, ça déchire. Hop, voilà, j'avais 4 secondes d'avance sur le deuxième. Bon, un championnat plutôt facile pour l'instant, vous allez voir. On va essayer de voir un petit peu toutes les parties du jeu. C'est parti. Alors, toujours ces musiques, hein, extrêmement rythmées.
afin de pouvoir donner du rythme au jeu. C'est une très très bonne astuce. Alors là, nous sommes dans un musée d'histoire naturelle. Enfin, un musée contemporain, on va dire. On a des dinosaures, on a aussi une partie avec de l'espace. Je suis 6ème, actuellement. Mais on va régler ça. Oh putain. Faut que je me remette la course dans la tête. Ah, les escaliers roulants. Alors j'ai pris le mauvais sens, bien sûr. Il y a aussi le sens qui monte. Ah, la boule de bowling. La boule de bowling, c'est derrière moi. Alors là, nous sommes dans l'espace. Vous voyez, un jeu sorti en 99, mais qui a plutôt bien vieilli, je trouve. Qui est assez intéressant, voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Hein, dans le noir, on fait la petite boucle. Voilà, on passe par là. Ça déchire. Tiens. Oh merde. Enfin, quand on est à l'envers, il nous le dit. Quoi ? Pourquoi je suis pas dans le bon sens ? Si, c'est bon, je suis dans le bon sens. Alors, il n'y avait pas de checkpoint hein, dans les jeux anciens comme ça, donc j'imagine que ça doit être calculé avec des checkpoints induits. Donc voilà. Ah, il a des bombes à eau lui devant. Tout est très très fun à ce jeu. Vous voyez, les missiles sont des bombes à eau, etc. Toi, meurs. Ah, c'est tout droit. Des fois, on voit un petit peu mal où il faut aller, mais c'est toujours indiqué. Oh merde, par la flèche là-haut. Oh merde. Oh merde, je fais des. Putain, j'ai fait les bombes à eau sur moi-même, je suis trop con. Ok, je suis 6ème, ça se passe pas bien du tout. Mais c'est un championnat, heureusement, donc nous avons le droit à l'erreur. Ah, c'est vrai qu'il faut que je mette le nom du jeu. Merde. Merde. Donc on y va, on y va, on y va, on y va. Au pire, venez sur IRC pour demander, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Ah, putain, c'est tellement sensible. Donc vous voyez, je suis même pas en difficulté maximum, hein, et pourtant je me fais massacrer. On a le temps, on a le temps. Voilà, die. Non ! Fuck ! Ah, je suis 6ème. Faudrait au moins que je finisse genre 4ème. Bon, c'est pas dernier 6ème, hein, mais... Je crois qu'il y a 8 voitures en tout. C'est quand même bien naze. Je suis à 12 mètres, vous voyez, il y a le petit truc en mètres en bas qui dit à combien de distance je suis. Meurs ! Putain, je l'ai pas eu, quoi. Je ne l'ai pas. Oh non ! Je suis du mauvais côté ! Non ! Dès que vous commencez à toucher des murs dans le jeu, c'est un peu fatal. Un petit peu à la Trackmania. Trackmanio. Oh merde, la boule de... Putain. Alors la boule de bowling ne vous écrase pas comme dans un Mario Kart. Alors par contre là, je crains de finir 6ème. Hein. Un petit peu une catastrophe. Et malheureusement, ça va être la vérité. On se croirait à Pizza Planet, vous trouvez pas? Oh putain, faut que je le double avant l'arrivée. Sérieux quoi? Oh putain, sérieux. Oh là là, mais pourquoi je tourne sans raison? Bon bah je vais finir 5ème, 6ème même. Catastrophe. Oh là là, 6ème, c'est une catastrophe. Ah là là, la vache, vous avez encore 3 essais. Nouvel essai, oui. Vous n'avez pas été qualifié. Ah, faut faire 3ème à chaque course, génial. C'est parti. Ah, lui, il a une bombe. S'il nous touche, on se transforme en bombe aussi. S'il nous touche pas, bah... Putain, sérieux, là. La bombe qui m'a tellement défoncé. Je sais pas ce que ça fait en éclair. Ça doit poser un faux bonus. Comme dans tous les jeux de course qui existent au monde. En tout cas, j'ai fait un meilleur début que tout à l'heure. Bon, la musique est sensationnelle, hein. Grosse ambiance. Oh, putain, c'est pas vrai. Je sais pas si c'est des faux bonus, en fait. J'ai pas trop le temps de lire IRC, bien sûr, c'est un jeu de course. Donc il faut se concentrer à 200%. Vous allez voir un super raccourci là sur la droite. Il y a des raccourcis dans ce jeu, hein. Il y en a effectivement. Comme dans les jeux de course. Comme dans la plupart des bons jeux de course d'arcade. Et là, vous voyez, je me suis fait défoncer la gueule. Je me fais doubler. Faut pas du tout toucher les murs, vous faites défoncer sinon. Vous voyez là, hop, j'ai changé de surface et direct, j'ai fait un tout petit coup de clavier. Et ça m'a complètement défoncé. Ah, très bien. Donc là, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais... En tout cas, ça m'est arrivé. Au moins, j'ai pris la bonne direction de l'escalier roulant. Je suis 4ème actuellement. Faut que je sois 3ème. J'ai 3 essais. Pour... Oh putain, je suis une bombe. Donc là, faut que je touche le mec. Oh là là, je l'ai pas touché. Oh là là, en plus, il m'a... Oh là là. Faut que je le touche, vite. Oh, je l'ai touché. Oh, c'est fou. Et voilà, il a explosé juste après. Donc ça, c'est pas mal. Je l'ai touché. Je suis bien content. Et là vous voyez il faut... Oh putain c'est pas vrai, c'est pas vrai. Faut un peu connaître la course parce qu'en fait, si vous ne la connaissez pas, eh bien... Très vite ça peut être le dawa. Bon je suis 4ème.
Alors c'est un petit peu moins random que dans Mario Kart, puisque bien sûr dans Mario Kart, vous le savez, les joueurs qui sont derrière vont plus vite, et les joueurs qui sont derrière ont toujours des meilleurs bonus. Dans ce jeu, c'est pas le cas. Enfin, les bonus sont complètement random. Après, pour ce qui est de la vitesse, j'imagine qu'on va plus vite quand on est dernier. Mais ça, à la limite, ça me choque moins. Ça me choque moins, pardon. Quatrième ! Je vais passer troisième ici. Que poisson et petite EMP dans la gueule avec un magnifique virage parfaitement négocié juste après. Donc ça va le faire. Je crois qu'on est presque au dernier tour. Mais je suis suivi de 4 mètres. Putain ! Liv ! Enfin, troisième. Oh là là, mais là, je sais pas pourquoi j'ai tourné là. Oh, c'est la fin. Faut que je me concentre. Concentre-toi, Zerator. Oh là là, nice, troisième. Par contre, les moustiques là, comment ça se passe? Pourquoi il y a des moustiques à cette époque? Ok, je suis troisième, c'est bien. Je suis très content. Je suis très très content. Et le moindre à coup possible sur les virages. Ouais. Faut faire le moins de virages possible et le moins d'à-coups possible sur les virages. Oui. Et il existe aussi sur console, apparemment. Il est moins bon sur PC, ce jeu. Bah, moi, ça n'existait que sur PC à l'époque où j'ai joué. Mais apparemment, ils l'ont refait pour certaines consoles portables. Il y en a qui parlent de Dreamcast, c'est vrai. Mais je sais pas. Bon, bref, voilà. En tout cas, eh bien, on continue. Ok, ici commence l'inconnu. Parce que j'avais testé les deux premiers circuits hors antenne pour vérifier les bugs de son et compagnie. Et là, je vous avoue que je suis dans l'inconnu total. Nous sommes dans un zoo, visiblement. Donc, le level design est très très poussé hein, pour un jeu de l'époque. Faut bien se rendre compte. Hop. Sur les level design étaient tellement conséquents à l'époque qu'on joue toujours sur Dust 2 à Counter-Strike, donc imaginez. Voilà, ça c'est fait. Tout droit. Voilà, là il doit être bien deck puisqu'il a raté son saut. Il doit être bien déçu. Ok, ça va être une course bien chaude, je sens, il y a des pas mal de moments décisifs. Pas mal de sauts, les sauts c'est assez chaud à négocier dans ce jeu. Là j'imagine que si on va dans l'eau on glisse. C'est un jeu qui vise d'abord le réalisme en fait. Donc voilà. Alors nous sommes des voitures téléguidées donc tout est petit bien sûr, hein, tout est miniaturisé pour nous. Ah, c'est tellement sensible. Moi honnêtement je me rappelais pas que c'était aussi sensible hein, le jeu, je vous avoue. Mais bon c'est les jeux d'avant, hein, c'était dur, c'est comme ça. J'ai hésité à brancher la manette dessus, mais j'ai eu un peu peur que les problèmes de compatibilité arrivent. Et puis bon, on ne sait jamais. Donc je joue au clavier actuellement. Oh là là, mais là, vous voyez ce qui s'est passé. J'ai fait un tête à queue sans raison. Là, encore une fois, encore un tête à queue sans raison. Il est à 10 mètres, le mec. Mais là, j'ai un assez bon bonus, donc je vais le garder, en fait. Bon, même si le baigner en bonus, pour moi, reste la triple roquette. On y va! Il y a un mec qui a mis... Non mais le nombre d'heures de jeu que j'ai passé sur ce jeu, c'est horrible. Oh non! Oh là, oh là, la flaque d'huile, ça c'est vraiment fatal à ce jeu. Pff, vous avez vu, j'ai voulu éviter la flaque d'huile et je me suis fait défoncer. Allez, meurs! Voilà! J'ai raté le bonus. Ce virage est assez chaud à négocier. Les virages en angle droit, bien sûr, à ce jeu, c'est juste l'horreur absolue et totale. Ok! Les trois bombes à eau, c'est pas mal. Je vais garder ça. Oh putain. Oh putain. La flaque d'huile. Putain. Voilà, flaque d'huile, c'est fatal, hein, je vous l'ai dit. Là, il me rattrape. Regardez l'autre. Oh, quoique, ça va. Ah si, faux bonus, là, du coup. La musique, toujours énorme. Meurs. Oh là là, ce tir. Je sais pas qui a fait la musique de ce jeu, mais c'est vraiment énorme. Alors je sais que l'interface peut parfois clignoter, parce que c'est un vieux jeu, il n'y a pas de mode fenêtré, donc je me suis arrangé pour faire une sorte de faux mode fenêtré. Mais c'est vrai que... Vous voyez là, ça clignote par exemple. Ça clignote pas chez moi, mais ça clignote chez vous. Premier, ça déchire. Alors je sais pas combien on est. Fin du championnat. Ah ok, il y a 3 courses. Ah mais nice, j'ai gagné. Parfait. Continuez championnat, mais c'est la fin. Vous êtes premier, la coupe en argent est accessible. Parfait. Alors, il y a quelqu'un qui dit l'ironie de la chose, c'est qu'à l'époque le jeu n'a pas fait un franc succès, les gens préféraient Micro Machine. C'est vrai qu'il y avait une énorme concurrence avec Micro Machine à l'époque, et qui était aussi un autre jeu de voiture téléguidée. Nouvelle livraison de voiture, allez admirer les nouvelles voitures. On y va. Alors il y a un éditeur de circuit dans ce jeu bien sûr. Cascade c'est quoi?
Ah ah! Nous avons Candy Pebbles. Candy Pebbles, elle est pas mal. Je vais la prendre, en plus elle est belle. Oh! Cascade. Ah oui, le mode cascade, mais qu'est-ce que j'y ai joué? Alors ça c'était très simple, en fait il fallait juste... C'est de l'obstacle! De l'obstacle avant l'heure! Donc il fallait juste... Eh bien, attraper tous les petits éclairs du tableau. Enfin, toutes les étoiles, en fait. Donc voilà. Donc ça déchire. C'est beaucoup trop énorme. Alors, quand j'étais petit, j'y suis jamais arrivé. Donc on va voir si là, je vais y arriver. Là, je sais qu'il y a un half-pip. Voilà. C'est pas brillant. C'est pas brillant. C'est pas brillant. Bah, de toute façon, j'imagine qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas les dernières bagnoles. Non mais c'est beaucoup trop sensible. C'est beaucoup trop sensible. Là je tourne direct. Oh là là, laisse tomber. J'arriverai tellement jamais. Il te faut des voitures plus rapides. Ouais, c'est vrai. Là je pense qu'il me faut des voitures plus rapides. Ouais. Oh, je l'ai même pas eu. Quelle naze. Voilà, au moins là je suis dans la zone centrale. J'ai raté le looping. Bon, en fait, je suis nul à chier. Donc voilà, on va retourner en championnat, faire des courses. Mais on retournera sur ce mode cascade quand j'aurai des meilleures voitures. Il y avait un mode multijoueur, évidemment. Contre la montre, entraînement. Donc voilà, tout ça est vraiment exceptionnel. Alors, c'est pas vraiment un jeu pour enfants. Le jeu était assez dur comme jeu de voiture. Et faut bien s'en rendre compte. Faut bien s'en rendre compte. Ça paraît facile comme ça. Toy World! Un stage excellent. Il y avait également un éditeur de cartes très complet dans ce jeu, je m'en rappelle. Mais barrez-vous, vous êtes nuls! Non mais les mecs sont nuls. Ah, le monde des jouets. Alors ça, c'est la fameuse zone où on peut tomber. C'est génial quand on tombe, hein. On n'est pas du tout ralenti. Non, non, pas du tout. Un ballon. Hop, boule de bowling. J'aurais pu la mettre dans le couloir, ça aurait été énorme. Oh! Boule de bowling. Alors il y a plein de raccourcis dans les tableaux bien sûr, je me souviens d'aucun raccourci. Oh! Yeah! Un parfait backflip. Nous avons fait notre premier tour. First lap. C'est tellement sensible, c'est affreux. Oh! Oh! Donc là faut pas se la péter hein, sur ce truc. En fait ça sert juste à accélérer la pile. C'est genre une méga pile. Oh j'ai géré là. Là j'ai trop géré. Croyez-moi à ce jeu, vous êtes déjà content de finir certains passages de la course tellement c'est hyper dur. Oh my godness! Ok, on y va. Alors je vais mettre une flaque d'huile en plein milieu de ce... Oh merde! On peut rien faire. Quand on prend une flaque d'huile, on peut... Putain, tout simplement rien faire. Ah! Deuxième. Et il galère, mais vous voyez... Non mais c'est tellement dur ce jeu que même les ordi, vous voyez, ils ont pas fait une intelligence artificielle hyper dure. Bon après je suis que dans le deuxième mode de difficulté. Hein. On pourrait dire que je suis en moyen. Si on considère qu'il y a genre dans les jeux facile, moyen, dur, très dur, je suis en moyen. Bon j'ai 3 missiles cela dit, ça c'est vraiment pas mal. Putain. Meurs. Donc ça c'est pour le tour d'avance bien sûr. Hein. Oh putain, oh putain. Vu que les courses sont courtes, si vous prenez 0 bonus en un tour et que vous commencez à doubler les gens, eh bien, ça peut aller très vite de prendre un tour d'avance sur des ennemis. Et voilà! Ah merde, final lap! Oh là là, t'es sérieux, la flaque d'huile ici, quoi? Oh putain, la vache. Alors, j'ai pas... Un piano, c'est ça, c'était ça le bruit. Je sais pas à quoi obéit la flaque d'huile, genre est-ce qu'il faut que certaines X voitures se la prennent pour qu'elles disparaissent ou est-ce qu'il faut que machin. Bon en tout cas sachez qu'il n'y a zéro drop chez moi, donc la VOD sera très propre. Si vous voulez la regarder, il n'y aura aucun souci. Je sais pas combien il y a de tours en fait, mais... Ah 6 tours, putain j'avais pas vu, c'est en haut. Donc final lap. Il y en a qui ont zéro drop apparemment. Donc chanceux, chanceux que vous êtes.
Barre-toi le cube. Donc c'est un piano, hein. C'est normal. Vous voyez, lui, il a fait du droite-gauche, droite-gauche. Mais ouais, je me prends pas mal de murs, mais je devance quand même de 100 mètres la R6 Turbo qui me suit. Qui me suit. Et voilà, j'ai gagné. Je suis premier de la course et j'ai là vraiment beaucoup d'avance, 7 secondes d'avance, donc 7 secondes 100 mètres, c'est pas mal pour une voiture télécommandée quand même. On va continuer le championnat, mais juste avant, nous allons faire la première pause de ce live. Oh putain, c'est tellement le ghetto. Donc je vous dis à rendez-vous dans 2 minutes, à tout de suite. Voilà, il y en a qui me demandent si j'avais débloqué la voiture. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur la ZTV. Vous êtes en train de regarder le Zeratosaurus. Nous sommes en train de jouer à un jeu de notre enfance, peut-être de votre enfance également. Il s'agit bien évidemment de Revolt. En fait, on va le laisser comme ça. Voilà, on va le laisser comme ça, même si ça vous énerve, je sais. Mais comme ça, eh bien, il y aura les résales sociales ainsi que eh bien, le nom du jeu. Tout ça, ce sera merveilleux, voilà. Alors, c'est parti. Zerator, tu sais quel jeu ce soir? Je parle du vrai jeu, pas du jeu de course que tu fais pour passer le temps. Ouais, ouais, c'est ça. Continuez de dire de la merde sur les jeux de ouf. Putain, pourquoi c'est à l'envers? Ah, c'est la course de début à l'envers. Alors, il y a un problème de musique, donc là, je fais mes petits réglages. En fait, comme si j'étais pas là. Voilà, hop, donc là, la musique, c'est réglé. Maintenant, on va régler la config audio, tac. Voilà. Alors, voilà qui est bon. J'ai pas remis la musique. Excusez-moi. La musique qui est élément essentiel dans ce jeu, bien sûr. Hein. C'est parti! Ah merde, vous ne voyez pas la vitesse. Merde, il est relou cet overlay. Mais non, il est pas relou, il est parfait. Il est parfait, il est parfait. Pourquoi vous voyez pas la truc? Alors ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un petit peu quand même. Voilà, là ce sera beaucoup mieux. Ok, regardez, on va faire ça, on va faire ça. Ça vous va? Ça vous va? Voilà. Alors, jeu révolté. Voilà. Chaque fois j'oublie de mettre le nom du jeu, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas joué à ces jeux merveilleux. C'est normal. Donc on y va. Va falloir tout re-régler pour la musique et tout là. C'est... Oh là là! Vous entendez la musique? Mais c'est normal, hein, c'est comme ça les vieux jeux. C'est comme ça les vieux jeux. Donc on y retourne. Faudra sûrement faire ça après chaque pause pub de toute façon, mais c'est pas grave. Hop. Vous inquiétez pas, je gère le bug. Voilà. Moi je dresse les bugs, moi. Je dresse les bugs. Bon, masse bombe à eau, ça ne suffira pas. Donc c'est la première course que nous avons fait, mais à l'envers cette fois. Alors, bien sûr, ils ont quand même inversé les bumpers. Hein.
Ah, c'est par là. Oh putain. Oh là, oh, j'ai essayé le tremplin. Super rentable. Ah bon? Ah d'accord. Ok. Ok, ça c'est l'éclair de Mario. Ah non, ça vide les piles de toutes les bagnoles pendant un court instant. Ça doit être le meilleur bonus du jeu. Très bien. Vous voyez, quelque chose d'impossible. J'ai eu le meilleur bonus du jeu en étant troisième. Dans Mario Kart, c'est totalement impossible. Ah, t'as toujours un Niercien qui va faire « Oh si, ça m'est arrivé en 96 !» Ouais, ouais. Et merde. Deuxième. Barre-toi. Ah voilà, flaque d'huile pour le troisième. Faudrait que j'essaye de passer premier quand même. Ce serait intéressant. On y va. Donc ça ne drop toujours pas pour moi. Hein. Je sais que Daily a quelques soucis. Mais désolé, hein, ça vient de Daily. Je suis à zéro en drop actuellement. Ça me fait tellement plaisir d'ailleurs. Mais là, je vais exploser. Voilà. Il y a un chien là. Dégage. Alors je vise très bien. Hein. C'est ça mon problème dans les jeux. C'est que souvent je suis trop fort. Et ça énerve les autres. Voilà. On y va. C'est par là. Tiens. Raté. Faut le faire pour jeter une bombe à eau avec une... Merde, une voiture téléguidée quand même. Bon, le passage le plus chaud de cette course, c'est évidemment le tunnel dans lequel tout est possible, en bien comme en mal. Là, ça s'est pas trop mal passé, vous voyez. On y va. Missile. Merde. Remissile. Voilà, bien. Nous l'avons défoncé, nous sommes passés premiers, donc ça déchire. Apparemment, il y a aussi des rollbacks, donc des choses qui nous font revenir en arrière. T'as Millennium et tout, ils doivent passer une bonne soirée là. Ceux qui stream les LCS, ils doivent vraiment passer une excellente soirée. Ouais, ça full bug et tout. Pourquoi vous restez toujours sur Dailymotion alors que ça marche jamais? Mais si, ça marche 99% du temps. Oui, mais non. Pourquoi vous restez sur cette plateforme de merde? On vous a toujours dit qu'il fallait aller sur Twitch. Comme ça, vous gagnerez 0$ et en plus, vous aurez des drops quand même parce que la plateforme bug aussi. Ah! Je suis premier, Aquasonic est derrière moi. Donc allons-y. Il y a Fukano qui a dit j'ai aucun drop, j'ai genre un stream méga fluide. Fukano toujours pour énerver les gens. Alors demain, programmation de la ZTV les enfants, nous allons avoir une semaine extrêmement spéciale. Ah! Monsieur Gouré! Je me replace. Monsieur Gouré. Je suis toujours premier, cela dit. Putain, t'es sérieux, mec? Tiens! Ok, je me suis défoncé aussi, génial. Bon, bah, on finira pas premier, hein, déçu. Zerator complètement con sur ce coup-là. Mais là, en fait, c'est Evil Weasel qui est passé devant, qui a eu une belle opportunité de me rattraper. Je vais essayer de prendre le bonus. Ah, il s'est gouré. Enfin, il a pris un mur, quoi. Voilà! Voilà! Tiens! Alors attention au tunnel. Tout peut arriver au tunnel. Le tunnel, le voici, attention. Le suspense est insoutenable. Alors je sais que les jeux de course sont pas les meilleurs à streamer, mais je voulais quand même vous faire partager ce jeu qui est pour moi, à mon sens, assez exceptionnel. Pour moi, il fallait que vous le... Que vous puissiez le découvrir, il fallait que vous puissiez le découvrir, donc voilà. Avant je mettais de la musique quand je jouais, maintenant je passe tes best-of. Est-ce normal ou est-ce le symptôme d'une maladie tchétchène? Je pense que c'est tout à fait normal. Zerator, que voulais-tu nous dire sur la prog? Je vous en parlerai demain à 13h. Oh putain, ça clignote. Barrez-vous. Alors il y a des collisions, hein, pas comme dans les jeux actuels, genre Trackmania. Oh la musique. Alors nous sommes dans un western, du moins ce qu'il en reste. Et vous voyez, j'ai fait un superbe tête à queue. Oh, nice! Oh, je commence très très bien ma course. Donc je suis 8ème. Alors là, il me dit que c'est pas par là, mais en fait c'est par là, c'est juste que je suis allé trop en arrière. Ah d'accord! Faut aller où, putain? Oh! Non mais faut aller où? Non mais qu'est-ce que c'est que cette course de merde? Oh putain, faut aller là. Bam! Moi, je vais me faire défoncer, bien sûr, hein. C'est quasiment mort. Oh, putain. Oh là là. Oh, mais bordé la queue. Ok, là, j'ai fait un tour, c'est ça? Ok, deuxième tour. Putain. Ça va être chaud.
Cette course. Oh putain, mais là, j'ai fait. Oh là là, non mais. Vous avez vu? Eh, mais sérieux, c'est. Ah, ça, c'est un raccourci en fait, j'ai l'impression. Mais c'est par où là? Eh, mais j'ai raté un truc là, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est, mais. Mais putain. C'est la merde, là, c'est vraiment la merde. Je suis 8ème. Ah, c'était un faux bonus, ça peut-être. Bon, on va dire que cette course, c'était pour découvrir, hein. Putain. Il y a des voitures qui arrivent de partout, je comprends que dalle. Là, je comprends même pas pourquoi je fais ça, alors que je pourrais aller direct là-bas. Putain. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais enfer abrupt. Putain, mais quel enfer. Là, faut aller où? Ok, là, faut putain d'aller où? Faut aller là, c'est ça? Oh là là, mais merde! Mais merde! Mais casse-toi, mais. Mais putain, pourquoi ça tourne? J'allais tout droit! Joue avec tes pieds. Quoi? Joue pas avec tes pieds. Non, mais je joue avec les mains, non, mais vous rendez pas compte. Ah, ils ont fini la course, je suis au tour 3, très bien. Ils avaient un tour d'avance. Mais c'est tellement dur. Non, mais vous rendez pas compte. J'ai eu tellement de malchance au début. Je me suis retourné 10 fois. Mais ça! Comment c'est possible? Bon, je vais commencer à avoir de la mauvaise foi là, évidemment. Bon, là au moins je sais ce qu'il faut faire ici. Est-ce que ça revient si je le balance? Pas du tout. En fait, faut sauter du balcon là. Ok. J'ai fini! Wouh! Je suis 7ème! Vous n'avez pas réussi à vous qualifier. Eh ben, on va réessayer. Sur la dernière coupe, tu refais ce niveau avec d'autres entrées. Quoi? Cool. Change de fucking caisse. Ah, mais ça change rien. On va essayer de passer avant qu'ils se croûtent tous. J'allais dire dans le couloir, mais en fait, non. Voilà. Ça commence. Génial. Mais ça fait quoi si je coupe direct? C'est ça que je voudrais savoir. Enfin, bon, bref. J'imagine que c'est pas possible, hein, mais bon. Quel enfer, mais quel enfer! Ah, quel enfer! Ok, faut juste aller tout droit ici. Excusez-moi. Mais quel enfer! Pourquoi? Pourquoi je vais dans cette direction? Mais casse-toi, t'es beaucoup trop gros. Oh putain, une flaque d'huile. Cool. Mais cool. Mais génial. Tiens, voilà, t'es une bombe maintenant. Fuck you. Oh mais merde, mais merde. Non mais clairement merde. Non mais cool. Non mais oh. Mais j'ai tellement pas de chance. Mais fuck my life. Non mais. Oh putain, une flaque d'huile. Génial. Je l'ai pas prise. Je suis 6ème. Non mais putain. Je peux rien faire là, hein. Mais d'accord. Donc voilà, donc ce jeu est beaucoup trop dur, hein, ne le testez pas. Genre là, si je coupe et que je fais ça. Et voilà, ça compte pas. Ok, d'accord. Bon, au moins, tu es sûr que tu veux pas changer de caisse? Non, mais ça changera rien. Puis j'ai commencé mon championnat. Putain, je croyais que je m'étais retourné. 6ème. Non mais le pire c'est que je suis même pas dernier avec la course que je fais. C'est vous dire la difficulté du jeu. Bah oui. Non mais oh, c'est pas possible. J'ai juste fait un tout petit virage en étant sûr que j'allais faire un tête à queue. Et j'ai quand même fait un tête à queue. Catastrophe. Tiens. Crevez tous. Oh mais merde, mais merde. Mais carrément merde. Oh bah oui. Ça, c'est un bonus pas mal, je vais le garder. Ah, il a fini, très bien. Très bien. Parfait. Non, mais ça, on peut pas. Ça, c'était pas possible en fait. On ne peut pas faire ce virage. Je fais des à-coups, mais tellement ridicule. C'est juste ouf.
Mais merde, mais... Non mais... Oh mais mec. Ok. Je vais finir 5ème, c'est bien. Ouais. 6ème, super. Génial. Encore 2 essais, on y va. Quand tu tournes, il faut que tu accélères par un coup. Non mais sans déconner. Non mais ce jeu de course n'obéit à aucune loi du jeu de course normal en fait. Vous savez, je vais jouer extrêmement safe en fait. Genre je vais essayer de limite... C'est une blague. Limite pas tourner. Tu vois là, je vais pas tourner du tout. Quoi ? J'ai... Putain, hey, j'ai arrêté d'accélérer. J'ai fait un micro coup de clavier. Ça m'a mis carrément là où vous avez vu que ça m'a mis. Non mais mec, oh mec, il a tiré en arrière, vraiment. Il a vraiment tiré en arrière. Truc pas possible. Non mais quel enfer. Quel putain d'enfer. Y'a aucune vérité dans ce jeu. Oubliez tout ce que vous savez, sur tous les domaines. Pff, je me suis dit je vais passer carrément à côté. Oh bah ouais, bah ouais. Bah oui. Bah oui, barrez-vous. Quatrième, mais il est déjà à 65 mètres, hein. Essayez de régler la sensibilité. Non mais pas du tout. Force de la touche, flèche droite. D'accord. Non mais merde. Bon, ça va m'énerver, je sens. Je sens qu'en fait, on va changer de jeu. Bon, là, déjà, faut que je passe là. Faut que j'arrête de passer sur le truc en haut, là. Ah, cool. Alors, ça, c'est le virage qu'on ne peut pas faire. Donc, je vais arrêter carrément. Ah, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc faut arrêter d'accélérer, arrêter de tourner, être à l'arrêt complet et ensuite commencer à tourner. Bon là évidemment j'étais pas à l'arrêt complet donc j'ai pas pu faire un virage moins gros que 90 degrés. Hein. Ah bah oui, bah oui. Tout va bien. Mais c'est pas la voiture qui glisse, hein, c'est le niveau. Bah oui. Non mais normal. Ah bah ils ont fini la course, bah très bien. Je pense que moi je pourrais jamais la finir en fait en étant moins de 5ème. Voilà. Oh putain mais merde. Wouh. 5ème. Ok, cool. Tenter un nouvel essai, non. Terminé championnat, oui oui. On va tester une autre voiture, mais vous allez voir que ça va rien changer. Je vais en prendre une bien lourde. Celle-là, elle m'a l'air pas mal. Ouais, elle est bien celle-là. Au pire, go volant. Et là, faut que je refasse tout, bien sûr, hein. C'est les jeux de l'époque. Pas question de recommencer à la course western direct. Non, vous recommencez tout. Non, honnêtement, ce qui est pas mal à ce jeu, c'est d'avoir des voitures lourdes. Elles ont moins tendance à déraper. Bon, là, c'est pas pareil, je me suis fait bousculer, hein, bien sûr. Mais je pense que ça m'ira mieux, ce genre de caisse. Enfin, dans ce jeu. Super intelligent, Zeratul. Vraiment. Super intelligent. Super, super. Je suis trop fort. Bon là, je peux remonter, là, évidemment. Bon, en plus, surtout s'ils font de la merde devant. Yeah! Nous sommes deuxième. Pour l'instant tout va bien, nous sommes une bombe. Cool, génial. Hop. Oh il l'avait aussi. Génial. Cool, on y va. Docteur Cruz est super bien, la meilleure dans celle de base. Mais je suis plus dans les caisses de base là.
suis dans les caisses que j'ai gagnées. De toute façon, pour jouer à mon niveau de jeu là. Oh putain! Oh merde, hein! Oh merde! Merde alors, hein! Pour jouer à mon niveau de jeu, disais-je, n'importe quelle voiture suffit. Suffit de pas être nul à chier et d'avoir un tant soit peu un peu de chance. Non, là ça va. J'avais une bombe, c'est normal. Bon, on est au tour 3 sur 6, tout est possible. Cette course, c'est l'enfer total et c'est très long. Donc on y va. Là, il suffit de pas se croûter ici. Ouais. Meurs. Tiens, va te serre. Où est le ballon? Oh putain. C'est bon, on est bien reparti, on est bien reparti. Oh! Bien! Nous sommes quatrième! Ça va être assez facile de remonter troisième. Enfin, j'ai bien pris le virage. Oh putain, il y a une flaque d'huile. Ok, génial. Donc là, on va tomber, forcément. Mais c'est pas grave, il y a une flaque d'huile. Tout le monde tombe. On repart tous à égalité. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Tour 5 sur 6. Oh! Troisième. Bon, on sera pas premier en tout cas. La première est trop loin. Là, elle est à 102 mètres, vous voyez. Mais souvent, quand vous prenez un petit peu d'écart dans ce jeu, bah, après, c'est très très bien parce que vous n'êtes ciblable plus par aucun bonus. Il n'y a pas de carapace bleue hein, comme à Mario. Ça, c'est quand même le truc le plus aberrant dans une vidéo. La carapace bleue qui cible le premier. Tu peux pas l'éviter quoi qu'il arrive et tout. Enfin, c'est vraiment le truc. Le truc pour les gros noobs. Donc là, j'ai une flaque d'huile. Et je vais finir deuxième. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Très bien. Allez, press any key to continue. Any key, any key. C'est parti. Elle a l'air lente, cette voiture. C'est pas grave. Putain, j'avais oublié cette course. Pendant cette course, il n'y a que le tunnel qui est un vrai problème. Ok, couper n'est pas rentable. Couper n'est pas rentable. Couper. Couper. N'est pas rentable. Dommage que le jeu ne soit pas drôle, c'est un peu chiant. Bonne soirée, pas de soucis. Je comprends, hein. Surtout un jeu. C'est surtout un jeu pas marrant et très sérieux à la fois. Donc c'est normal. Il y a aucun problème. Ah, ah ouais, bah ouais. Bah normal, puisqu'en fait, vu que je vais tout droit, à la sortie, je fais un tête à queue. C'est normal. Ça obéit à une loi très claire de la physique. Voilà, bourré. Elle est peut-être un peu plus lente cette voiture, mais elle est plus lourde. Et ça me plaît bien, je dois dire. Merde, je voulais tirer dans le tunnel. Ah bah oui! Bah oui, à tête à queue, sans aucune raison, c'est normal. Ok, là je suis premier. Parce qu'ils se sont maraves. Tous les ennemis se sont maraves. À la bombe, sensationnel. Ah, j'essaie de prendre de l'avance sur mon adversaire de derrière. Là, je vais exploser. Voilà. Ah, ça va, le jeu a pas été trop méchant. Ça pourrait être bien pire, hein. La bombe, ça peut être une catastrophe totale. Ok, ça, c'est super cool, top, génial, de la mort, ça déchire. Bon, là, je l'ai pas eu, mais bon, j'aurais dû l'avoir. C'est pas grave, on continue, hein. C'est pas grave, on y va. Non mais le pire c'est que je suis étonné de mon niveau de jeu en positif. C'est-à-dire que si vous jouiez à ce jeu, vous comprendriez à quel point c'est infâme. Bon, hormis le fait que ça clignote, que... Oh mais merde. Je suis troisième. Pour l'instant ça va, il suffit d'être troisième, mais bon. Bon, c'est pas le dernier tour, c'est l'avant-dernier tour. Ok. Vous voyez, il a fait un tête à queue sans raison. Ça déchire. Ça arrive aussi aux autres. Pas comme le loto. Qu'il arrive qu'à vous. Vous avez joué vendredi 13 au loto, là? Moi, je voulais jouer, mais il y avait trop de queue au tabac, donc ça m'a saoulé. Puis je me suis dit, moi, j'ai pas besoin du loto, hein. J'ai le My Major Company pour voler l'argent des gens.
Donc je me suis dit, au pire, je referai un My Major. Rappelez-vous que pour gagner au loto, il faut jouer, hein. C'est très important. Dans les gens qui disent, moi si je gagne au loto, blablabla. Rappelez-vous qu'il faut jouer, hein. Voilà, j'ai failli faire un tête à queue sans raison. Hop, Flagville dans le tunnel. Bastard. Ah, cool! Ah, cool! Oh, génial! Oh, c'est trop cool! Oh, yes! Oh, trop bien! Trop de la balle! J'ai trop de chance! Oh, yes! Oh là là, c'est trop bien! Quatrième! Voilà! Ça déchire! Oh là là, quel... Oh, c'est trop bien! Oh là là, là, je suis trop content! 77 mètres, le deuxième. C'est sûr et certain qu'on ne le verra jamais parce qu'il est à Pétaouchnok. Oh, c'est trop bien! Alors là... Oh, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans tous les jeux vidéo du monde. Toutes mes années de jeux vidéo confondues. Oh là là, vraiment, vraiment incroyable. Il manquerait plus qu'on m'envoie un bonus juste avant la fin et que je finisse quatrième, ce serait le pompon. Oh là là, vraiment trop bien. Je suis trop content. Trop content. Alors là, vraiment, je suis extrêmement content. Et attendez, il y a un tunnel, hein. Il peut se passer n'importe quoi, hein. Parce que là, je vous rappelle, ça s'est passé dans le tunnel, tout ce qui s'est passé avant. L'éclair, je sais toujours pas à quoi ça sert. Là, je suis passé devant, je vais finir deuxième, j'ai trop de luck, voilà, ça c'est fait. Donc comme ça, on est content. Et là, on arrive dans la course infaisable, celle du western. Ouais. Et ça clignote, c'est normal. C'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. On a fait un pas trop mauvais départ. Et maintenant, on a un petit peu les astuces de cette course. Donc on va voir si cette voiture accepte de tourner de manière normale sur cette course, ou si on va encore une fois ne pas pouvoir la finir. C'est ce que nous allons découvrir, et bien sur ce virage, mesdames et messieurs. Eh bien non, cette voiture non plus ne tourne pas normalement, malheureusement. Donc nous avons malheureusement perdu cette course, c'est dommage, c'était une bonne course. Alors on va peut-être essayer un autre truc, c'est de tourner normalement sur ce virage là, qui je vous rappelle est aussi un virage source de problème. Ça s'est plutôt bien passé cette fois là Qu'en est-il du second essai en repassant, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même 4 tours hein, pour vous planter, parce qu'on sait jamais, hein. On sait jamais, vous auriez pu gérer votre course. Voilà, toi t'es une bombe maintenant, fuck you. Donc tu vas exploser à plus en LAN. Ok, le mec est juste derrière moi, mais il explose. Parfait. Voilà, tête à queue. On va réessayer. Voilà, je me suis carrément arrêté. Hein. Enfin, quasiment arrêté, pardon. J'ai mis une Flagville derrière moi. Je suis à 30 mètres. Si j'arrive à gagner un peu d'avance sur mes adversaires, ça devrait le faire. Maintenant, je m'arrête quasiment hein, pour les tournants. Enfin, pour les virages. Comme ça, c'est fait. Là, je suis pas mal. Donc, pour l'instant, c'était un bon choix de prendre cette voiture. Oh, putain. Oh là là. Bon, c'est normal. C'est un missile qui m'a frôlé. C'est normal de dévier un petit peu de trajectoire quand une grosse fusée vous court à travers le cul. Non. Merde. Ok. Donc là, lui, il a eu un bonus. Il va avoir une flaque d'huile, évidemment. Ah non, il a pris une flaque d'huile. Mais il a eu aussi une flaque d'huile. Mais il l'a mal posé, fort heureusement. Heureusement, l'intelligence artificielle est nulle à chier. Alors, je suis deuxième, hein. Deuxième qui veut dire que vous êtes derrière le premier, en général. Là, nous avons pris un tour d'avance. Oh oui, ouais, bah oui, normal. Non, mais c'est normal. Ce qui vient de se passer est normal. Ce qui fait que vous prenez deux boules de bowling dans la gueule. Derrière, vous avez un éclair. Ensuite, vous faites doubler. Vous passez troisième. Vous êtes trop vénère. Mais c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le dernier tour. Ça, c'était pas le premier, hein, faut pas rêver. Bon, on va finir deuxième. Je pense qu'on va finir deuxième. Non! Non! Pas de surprise! Pitié! Voilà! Voilà! Très bien! Deuxième, ça me paraît être une bonne solution. Et pour voir la dernière course du championnat, il faudra changer de VOD ou alors changer d'esprit. Ce sera dans 2 minutes, je vous dis à tout de suite. We'll be right back.